Yeah, hi guys. Hello. You need a little bit of help down here, do you? Yes, how are we doing? You're doing well. Yes. We'll have to give it a special name, won't we? We shall. Yeah, how are you doing? Something. We'll have to see with our German friends. Et à tout à l'heure. C'est toute notre vie, hein. Non seulement il y a le travail de la vigne, de s'occuper de la vigne, il y a aussi le travail du chai, de vinifier, de mettre en bouteille le vin. Et après, il y a aussi tout ce côté commercialisation, donc contacter des clients, téléphoner, être en relation avec des gens à New York ou n'importe où. Sentir Pierre. Alors là tu vas voir, c'est vraiment un goût de. Une odeur de chêne assez prononcée. L'élevage en barrique, quelque part, il va apporter une dimension de plus au vin, de par le goût du chêne. Et la combinaison du fruit et du chêne. Ça va permettre au vin, une fois en bouteille, de se garder beaucoup plus longtemps. Et effectivement, c'est ça qui sera véritablement ce qu'on appelle les vins de garde qui font la réputation des vins de Bordeaux. Chaque tonnelier a sa façon de chauffer et ça donne un goût différent après à la dégustation. Plus on va chauffer, plus on va avoir un goût de. Ça va être bien plus marqué au niveau du tanin, peut-être un peu plus asséchant en bouche. Si on va faire une chauffe moyenne, elle va être bien plus élégante, un peu plus de sucrosité. On reconnaît à nous en tant que tonnelier si on a fait, on travaille dans ce château ou pas. Parce qu'on reconnaît, vu que chaque tonnelier sont différents, on reconnaît notre goût de barrique dans la bouteille. Mmh.
Devant. Ouais. Ça, ils ont changé après. Hein. Waouh. T'as vu ça un peu? Ah, il y avait des stores qui ouais. restaient. Ouais. Et puis là, c'est impressionnant. Hein. Oh là là, non, ils sont encore là. Dis donc. C'était froid, je me rappelle, parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Il y en avait des jeunes enfants, donc c'est vrai que c'était pas très pratique au début. Et puis. Un vrai challenge parce qu'il y avait énormément à faire, il n'y avait pas de jardin à l'extérieur, il y avait beaucoup d'herbes et puis peu de temps après notre arrivée, il s'est mis à pleuvoir pendant 6 semaines, donc on était dans un mar de boue partout. C'est s'habituer, hein. Faut que j'installe qu'il est toujours en arrière. Ok, bon, on va aller voir ça, on va aller. Ouais. Mettez le bien comme il faut. There's a lot of eggs in there as well, so get all that. Right, and then the next thing you add is the flour in here as well. About 200 grams of flour, and then sprinkle that in. And then it's amazing how it mixes quite well with a little bit of effort. There you are. Just do it like that. I have to retest. That's very good. After living here for 19 years, I probably would say that I would be as home in France as I am in New Zealand, I think. But I'm very lucky to live in the two most beautiful countries in the world. What New Zealanders and French people share is a real curiosity about people. New Zealanders, because they live miles away from anybody, and anytime anybody new comes into their country, they want to know everything. They're very welcoming.
they're always inviting people to their homes. But the French, at the same time, what's most important in French life is welcoming people, socialising, having people for meals. Food is an intrinsically important part of French culture, and so people have to go with that. Nice and crunchy. They're good. Nice and crunchy. I'll try one too. It's one of the rare conservatories in the area. What I like about it is that it's just a lovely place to sit. And everything grows crazily in it, so it's all very, very luxurious. Cheveux très très lisses et très longs et elles sont très très jolies, puis alors elles ont toujours un petit sac, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a les ballerines etc. Je crois que c'est vraiment assez pas particulier, mais quand on va dans d'autres villes, je pense que on peut vraiment reconnaître une bordelaise. Comme ça à l'œil, mais moi en grattant, je vais m'apercevoir que ça s'embête en poudre.
Donc si je fais une restauration ici. C'est typiquement bordelais, cette cocotte-là. Elle est en acajou. Alors vous voyez que les tiroirs sur le côté reprennent la forme générale de la commode. Ici et là, l'une à l'opposé de l'autre. Cette commode particulièrement jolie, c'est une commode bordelaise du XVIIIe siècle, époque Louis XV, a des formes galbées sur toutes les faces et sur le devant, en longueur et également en hauteur. C'est particulièrement sensuel, c'est très féminin hein, d'avoir des formes courbes comme ça partout. L'acajou venait des îles avec le commerce triangulaire. Jusqu'au XVIIe siècle, il servait uniquement à lester les bateaux. Et on s'est aperçu que ce bois avait des qualités, qu'on pouvait en faire des meubles. J'adore les roses parce que, bon, en venant de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, c'est une ville avec des jardins. Et donc, j'ai apporté un petit peu ça avec moi. Et j'ai plus d'une centaine, presque 200 rosiers ici sur la propriété. Et puis, je trouve que c'est parmi les plus parfaits des fleurs. Et bien aussi, c'est que les rosiers poussent là où pousse la vigne. Ils aiment la même terre, ils aiment le même climat. Et on disait autrefois que quand on faisait planter les rosiers au bout des vignes pour qu'on voit un peu la maladie qui s'est installée dans les vignes, c'était pareil que les maladies qui ont des rosiers.